Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Might & Magic Portia pour une vidéo qui aura deux objectifs. Le premier, vous le verrez, ça va être d'essayer d'obtenir le rang numéro 1 pour l'atelier pour le mois qui va se terminer. Et le deuxième, ça va être d'aider Emily qui nous a lancé une quête particulière. Alors on va tout de suite lancer la partie. Voilà, donc vous voyez, on est le 27e jour du 4e mois. Et on se réveille. Alors, je suis désolée, on va devoir sortir, ça va charger un petit peu. Donc, on va aller regarder tout de suite ce que je vous disais tout à l'heure. Les objectifs de cette vidéo. Objectif de la journée. Si ça veut bien avancer. Voilà. Donc ça, bon, ça fait partie de mes quêtes, mais je ne l'ai pas réalisé. Ce sera les puits d'Emily. Donc, il nous faut fabriquer un puits à eau. Et la deuxième, c'est une commande de la guilde. Qui j'espère va me permettre de garder ma première place. Donc il faut que je fasse deux fourneaux personnels. Je suis déjà en train. On va déjà commencer à regarder où ça en est exactement. Alors, je vous fais un rapide coup d'œil. Mon atelier, je l'ai augmenté de niveau. Là j'ai planté mon premier arbre. Ici nous avons le potager avec les petites poules. Et là, les différents ateliers. Donc, on va déjà regarder s'il y a des choses à récupérer. Parce que pour faire les deux fourneaux, il me faut des plaques de bronze. Bien évidemment, comme j'ai lancé les fourneaux, ben, on ne va pas pouvoir faire autrement qu'attendre qu'ils soient prêts. Alors, le souci, effectivement, c'est que c'est un petit peu long à obtenir. Est-ce qu'il me faut... 10 plaques de bronze, bah vous avez vu, j'en ai qu'une. Donc comme il en faut deux. Donc là, j'ai le bronze qui est en train de se préparer. Est-ce que je peux en remettre pour lancer des plaques? Oui, on peut déjà en faire 5. Il en restera 4. Est-ce que sur la deuxième, on peut faire des plaques de bronze aussi? Oui, mais j'en ai plus, je suis bête. Il va falloir attendre que j'ai une barre de prête ici. Alors pendant que ça se prépare tout doucement, on va aller regarder ce qu'il faut pour la mission d'Emily dans le manuel. Donc on a dit que c'était un puits à eau. On va déjà chercher dans le guide. C'est un petit peu long. Le puits à eau, il faudra 3 plaques en acier. 4 tuyaux en bronze, toujours du bronze, c'est un petit peu embêtant. 2 roulements et 2 barres d'acier de manganèse. Alors ça, je peux peut-être déjà aller faire une partie, comme ça on n'aura plus qu'à l'assembler. On va aller regarder hein, si on a des... Est-ce que j'aurais pas des tuyaux en bronze quelque part? Je vais aller regarder. Plaque d'acier, je pense pas. Je pense qu'il faut que je fasse des barres d'acier en carbone et des barres d'acier au manganèse. Donc c'est 2, on va regarder ça tout de suite. Je ne sais plus auprès duquel on peut le faire. Ici, non. Donc ça, je peux en faire. Il n'y a pas de souci. Manganèse aussi. Donc des barres d'acier, j'en aurai déjà. Donc quelque part, je peux aller faire les plaques. Et je ne peux pas en faire ici. Alors, je crois que ça va être pareil. Ça va être sur l'appareil déjà utilisé. Je pense que dès que je peux, je me referai un deuxième fourneau comme celui-ci parce que je suis vite coincée. Hein. Alors, on va aller regarder dans l'inventaire si par hasard on n'aurait pas mis des tuyaux de cuivre de côté. Ça éviterait déjà d'avoir à en faire, mais j'ai un gros doute. Alors, coffre numéro 1, il n'y a rien. Coffre numéro 2, rien non plus. Là non plus. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus, et là non plus. Donc j'ai tout à refaire. Alors les roulements, je sais plus où c'était. Je pense pas que ça soit ici. Peut-être ici. Les roulements,
Il me faut de l'alliage d'étain. Qui, je suis sûre, doit se faire encore une fois ici. Mais bien sûr. Donc il m'en faudra combien? Parce que sinon je vais stopper la production. Ça sera plus simple. Alliage d'étain, il m'en faut 8. Alors ici j'ai des barres de cuivre en préparation. Je vais les couper. Et je vais en relancer ici. Des barres de bronze, pardon. De bronze. On en remet, comme ça on en aura. Et ici, on va lancer. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je sais déjà plus, hein. C'est dur de retenir. Alors, il nous faut 2 barres d'acier au manganèse. On va déjà les faire. Donc 2. On récupère une plaque, mais il en faut 3. Donc, c'est pas pour maintenant. Est-ce que, avec ce que j'ai récupéré tout à l'heure, non, je peux pas relancer. Il m'en faut encore une pour en relancer. Est-ce qu'il n'y en a pas une de prête quelque part? Si, super. On va relancer, puis on va aller faire un petit tour en ville. Je suis pleine. Voilà un petit peu pêcher sur l'île d'Ambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça occupera un peu. Récupérera du bois aussi pour les différents appareils, parce que entre les ateliers... Qu'est-ce qu'ils nous font, ceux-là, là? Ok. Allez, on va aller pêcher avec les 7 qu'on a. Et on va abattre 1 ou 2 arbres avant de revenir. On n'aura pas fait le voyage pour rien. Vous voyez, c'est beaucoup d'attente, d'organisation. Mais je tiens à finir la mission de la guilde avant, parce qu'on est vraiment sur la fin du mois. Et j'ai eu la chance de voir au tableau que j'étais pour l'instant première, alors j'aimerais bien garder ma première place et pouvoir en faire encore une ou deux missions. Alors je pense que si on réussit celle-ci, ça sera déjà pas mal. Parce que la première place, ce qui est intéressant, c'est que ça donne beaucoup d'argent. Et de l'argent, j'en ai plus beaucoup avec les améliorations que je viens de faire, donc... Je crois que ça rapporte 10 000, moi je crache pas dessus. Hein. Oh, toi je vais pas t'avoir. Ouf. C'était un peu limite. Alors du coup, c'est bien ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, il fallait améliorer la canne à pêche et du coup les autres poissons que j'avais du mal à attraper sont un peu plus faciles à attraper maintenant. On a fini? Oui, on n'a plus. Donc on va aller couper 1 ou 2 arbres. J'ai débroussaillé les petits là. Et ça rame, ça rame. Parce qu'on tombe vite en rade de bois, hein, mine de rien, à faire tourner tous les appareils en même temps. Un coffre. Ouais. On va casser le super gros arbre. Il y en a un deuxième, on va faire pareil, puis on va repartir. On va aller voir où en sont les travaux.
Voilà, on a récupéré pas mal de choses. J'ai pas été voir devant le coffre de ma maison non plus ce que j'avais récupéré aujourd'hui. On va aller jeter un œil. Pas mal de bois, de petits bois à couper, à ramasser, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a récupéré quoi? Du miel royal, des pommes d'arôme et du cire, de la cire d'abeille. Ok. Alors, est-ce qu'on a des barres? Carburant épuisé. Vous voyez, on a bien fait d'aller chercher du bois. Ça, on peut relancer. Carburant épuisé, ça m'arrange pas. Ah, on peut en finir un déjà. Voilà, donc on a un fourneau. On va relancer le fourneau. Comme ça, on pourra valider la quête de la guilde. Alors, le fourneau, il est tout au début. C'est le fourneau personnel. Voilà, donc j'avais déjà préparé une partie. Il me restera du coup que les plaques. Donc il me restera encore deux à faire dans la foulée. On va remettre l'autre plan. Il faut faire travailler les deux en parallèle, sinon on va pas avancer. Alors, on était sur le puits à eau. Donc les deux barres d'acier manganèse vont être faites. Il me faudra les alliages d'étain, les tuyaux en bronze et trois plaques d'acier. Donc pour ça, il me faut des barres d'acier au carbone. Ce que je vais faire, je vais stopper ici aussi la préparation des barres de bronze pour faire celle-ci. Je vais pas en faire que deux, pourquoi? Ah, j'ai plus de charbon de bois! Allez, je lance le charbon de bois. Je augmente le nombre de barres de cuivre sur les deux petits là. Je peux plus en faire plus. Ah non, ce qui doit être plein. Alors ici c'est terminé. Alors bah du coup quand il faut attendre le charbon, on va faire de l'alliage d'étain. Je sais plus combien on a dit qu'il en fallait. Il en faut 8 pour faire 2 roulements, donc on va en lancer 8. J'ai plus assez de bois encore une fois. On va leur couper. Hein. On sait comment des fois on peut passer la journée à faire que la coupe de bois. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'en hiver les arbres poussaient moins vite que les autres saisons. C'est peut-être une impression, hein, parce que j'ai eu peut-être plus besoin d'eux, mais. Donc normalement, il faudra encore que je relance deux plaques de cuivre, on a dit. Hein.
Encore une barre pour pouvoir en relancer. On va déjà arriver à la fin de la journée, comme ça on va aller dormir, ça va travailler tranquillement la nuit. On va juste revérifier qu'il y a du bois partout, les mettre à fond pour qu'ils puissent passer la nuit sans s'arrêter. Voilà, ils sont tous au taquet. Une pierre de pouvoir. Comme ça, on pourra finir le premier objectif qui est de terminer la quête de la guilde. Et de voir si... De toute façon, on est samedi, donc il n'y a plus de... Pour l'instant, il n'y a pas de mission avant le lundi. J'aurais bien aimé une petite barre de bronze avant d'aller me coucher. Histoire de te relancer correctement. Je crois que je rêve. Je peux pas faire de barre de bronze ici. Non, je peux faire les plaques. Pas très utile. Alors, on va aller ranger ce qu'on a retrouvé, récolté. On va aller se coucher, on verra demain matin. Alors, je trie mes poissons que je garde en bas parce que c'est ce que je vais aller revendre. Je vais revendre les pierres en même temps. Ça, j'en ai besoin pour la mission. Je vais revendre la raquette. Et j'ai fait une bêtise, je suis ressortie. Alors, qu'est-ce qu'on peut ranger? À peu près tout, hein. Bon, le plus dur après, c'est de se retrouver au milieu de tous les menus pour savoir quoi ranger et où le ranger. Ah! Ressors, toi. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Toi, tu vas aller là. Je vous avoue qu'on a vite fait, après, quand on a plusieurs corps, de se perdre. Je range mes disques. C'est pas ça que je voulais faire. On organise au passage. Je vais la ranger là. J'ai pas de pomme quelque part. On va les ranger ici. Le blé, j'irai le revendre aussi. Pas du tout. Ça, j'en ai encore besoin, je le garde. Ça aussi. Ça aussi. Et tout le reste, je peux ranger. Le sable, on va le garder, de toute façon je l'utiliserai. Minerai de cuivre, j'en ai plus. Peut-être, avec tout ce que j'ai utilisé en même temps. Et il me reste ça que j'ai pas mangé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On est à peu près bien, donc on va aller dormir. Et on va voir ce qui ressort des ateliers le lendemain matin.
c'est parti. Une belle journée nous attend. Ah, du courrier dans le... Notre concours annuel de la Guilde du Commerce qui se tiendra demain dans le bâtiment de la Guilde. Nous décernerons des récompenses aux constructeurs les mieux classés de l'année. Ah, bah sympa! Oui, un petit événement qui va se greffer en plus sur ce que je voulais faire. Donc là, on a fini le charbon. On a fini l'alliage d'étain. Donc, il me manque deux barres, deux plaques. Je vais en faire deux. Il me fallait deux roulements. C'est pas ici. Si, c'est ici, pourtant. Je me suis juste mal cliqué. On va lancer les deux roulements et aller revérifier ce qui nous manque pour le puits d'Émilie. Alors, les deux roulements, c'est bon, c'est en cours les barres de manganèse aussi. J'ai les barres de bronze qui sont en train de cuire pour pouvoir faire les tuyaux. Et il me faut des barres d'acier au carbone. C'est pour ça que j'avais fait le charbon, il m'en faut 9. Et ben, je peux en faire 14, on va en faire 9. Voilà. Alors, où est-ce qu'on fait les tuyaux? Je ne sais plus. Ah, c'est peut-être ici. Ouais, tuyaux en bronze. C'est quoi? J'ai vraiment pas de tête. J'ai déjà oublié combien il en faut. 4. 4. Là, je peux en faire 2 après. Donc, ici, il nous manque ce qui est là, donc qui arrive dans 2h20. Oh, ça a repoussé dans la nuit. On va déjà débroussailler le jardin. On récupère du bois. Et on va aller dire bonjour aux poules. On va vérifier aussi qu'elles ont encore quelque chose à manger. J'ai pas cliqué sur la bonne. Alors 14, je peux leur donner pas mal de choses. On va leur donner un peu de tout. On va donner ce qui donne le plus de points de croissance. Voilà. Allez, il nous reste 1h18. Ce qu'on va faire pendant ce temps, c'est qu'on va aller vendre notre blé à la ferme de Sophie. Alors, on va se diriger vers l'objectif qui est le puits. Vous voyez qu'il faudra mettre ici. On va y récupérer des sous, comme ça on peut valider après la quête de la guilde et on aura atteint le premier objectif. Et après, on va construire la construction pour Émilie. Alors, je doute que ça soit l'ultime chose qu'il faut faire dans sa ferme. À mon avis, il y aura d'autres choses derrière. On va y aller pas à pas. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre? On est sur un prix de marché qui baisse, mais tant pis, c'est pas grave. Je vends tout ça, je vais te vendre ça. On vend les poissons. Bon, écoute, ça j'en ai pas mal. Je vais le vendre aussi, ça m'évitera de les ranger en rentrant. Pareil pour les œufs. Voilà, on n'est pas venu pour rien. On repart avec un peu plus de 1000. Et le temps de faire le retour, normalement, notre dernière plaque de cuivre sera prête. De bronze, pardon. J'ai vraiment du mal, hein. Alors,
je vous avoue que je trouve l'hiver super joli, mais vivement qu'on repasse au printemps, parce que j'en ai un petit peu marre de ce blanc partout et de ce champ tout vide. J'ai adoré mon petit champ, moi. Bon, ici, c'est rien passé. Là, on en a une à récupérer. Les roulements sont toujours en préparation. Et là, on a notre dernière plaque de cuivre. De bronze. Je suis y arrivée, oui. Voilà. On peut le récupérer. Et on va mettre, du coup, en place le schéma pour Émilie. Schéma sur lequel je crois on ne peut rien poser encore pour l'instant. Ainsi les barres d'acier manganèse, les roulements sont en préparation, le tuyau de cuivre pas encore et les plaques d'acier non plus. Bah, ça doit être les deux qui sont en bas. Voilà, on va déjà pouvoir lui mettre ça. C'est fait. Alors, où est la petite personne à qui on doit ramener ça? Bah, la guilde, je crois. Allez, on va aller lui ramener. Ça validera la quête et j'espère nous permettra d'avoir la première place. Alors, je ne sais plus, j'ai pas fait attention les autres mois, si le mois finit à 28 jours pour 4 semaines ou à 30 jours. Donc, ça sera un peu la surprise demain matin en se réveillant. C'est vrai qu'on est en plus invité à la cérémonie. Alors, petit Antoine. Voilà, ça va pas mal de pognon. Hein. On a déjà fait l'inspection? Je vais la faire. J'adore ça, moi. Mais t'es tout tordu, ton truc. Les inspections du week-end, c'est vraiment mon kiff. Alors des fois, j'ai un petit peu de mal quand même à trouver les différences, mais... Là, sur le fond, il me semble. Et là, une bosse. Ici. Et là. Et bien voilà, on a fini l'inspection, on a bien fait de venir. Donc là, on peut plus reprendre de mission. De toute façon, je pense avoir la fin du mois, puisqu'on est samedi, demain c'est dimanche, et a priori c'est la cérémonie, donc l'année sera clôturée, on aura fait notre première année. Alors on va retourner tranquillement surveiller ce qui se passe. Là, l'homme mystérieux. Qu'est-ce qu'il aurait d'intéressant dans son magasin? J'avoue qu'il y a des trucs sympas. Mais j'ai surtout besoin pour l'instant de mon argent. Allez, au revoir monsieur. Et qu'est-ce qui se passe par ici? Pas grand-chose, hein. Plaque d'acier. La plaque d'acier, mais je peux déjà en faire. Il m'en faut combien? Il m'en faut 3, mais j'avais ce qu'il fallait. Oh, quelle perte de temps! Et du coup, les tuyaux, on a dit que c'était ici. Hein. Et les tuyaux en bronze, il m'en faut 4. Donc on n'est pas loin. On n'est pas loin de pouvoir faire la mission d'Emilie. On va peut-être y arriver encore aujourd'hui.
Je dis aujourd'hui, c'est dans le jeu, bien sûr. Allez, donne-moi ce roulement que je puisse lancer. Voilà, super. On va lancer les tuyaux. Donc là, je peux en faire que 3. On va attendre de pouvoir récupérer un peu plus. Et on va aller mettre les roulements en place. Donc, il nous manquera quoi? Les 4 tuyaux en bronze et les 3 plaques d'acier. Bah, quasiment tout, à part un tuyau en bronze, est en préparation. Ça devrait pas tarder. Carburant épuisé, mince. Du coup, ça va être pareil sur l'autre. À l'instant. Bon, ça va. Pour lancer la production le plus vite possible. Même si techniquement il manque plus qu'une barre pour pouvoir faire le dernier tuyau. Alors d'habitude je reste pas au près comme ça, hein. Je fais autre chose, mais là c'est vraiment important. J'aimerais bien pouvoir déjà le mettre dans la même journée, comme ça demain on n'a plus qu'à assister à la cérémonie. Là voilà. Ah non. Je prends mes désirs pour des réalités, moi. Là, il y en a pour 3 heures. Ici, il y en a pour 5 heures. 5 heures, ça fait 21 heures. Vous savez quoi? On va aller recouper des arbres. On va en couper un ou deux et on va revenir. Bon, ça va, il y a déjà pas mal de bois par terre. On se refait le tout gros. C'est vraiment un jeu. Dès que vous avez le nez dedans, c'est fini, quoi. Parce que vous dites, allez, encore je fais ça avant d'éteindre, et je fais ça, et je fais ça, et puis au final, vous n'éteignez jamais. Alors, moi, en ce moment, bah, malheureusement, je peux pas y jouer comme je veux, puisque j'ai toujours des petits soucis de dos. Pour ceux qui avaient regardé la dernière vidéo Farm Together, vous le savez. Donc, c'est quand même super frustrant. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec vous, pour pas me sentir un petit peu seule. Et puis aussi, pour pouvoir avancer. Je me donne des objectifs. Alors, est-ce qu'on en a récupéré à un ou deux endroits? Voilà. On peut. Ben non, je peux plus. Ah bah si, je suis bête, c'est ici. Hop, j'ai récupéré deux tuyaux de bronze, je vais en refaire un. C'est bon. Là, on a la plaque d'acier, là, on récupère des barres d'acier. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. On va positionner les objets à mettre dans le plan ici. Comme ça, je les aurai à portée de main. Et c'est les deux derniers, puisque de toute façon, j'ai déjà mis le reste. Alors, on a dit que c'était quoi qui me manquait? 4 tuyaux et 3 plaques d'acier. Les plaques d'acier m'en font encore une. Il reste 2 heures. Les tuyaux, il reste 1 heure. Oh, bah écoutez, hein, on est bien, on est bien, on est bien. Le reste, on va laisser tourner. On va aller un peu se balader en attendant. Ouais, bah en même temps, on ramasse du bois, comme ça, on n'est pas sorti pour rien. Ouais, mais c'est pas mal, il y en a plein partout. On va débroussailler le centre un petit peu ici.
on voyait un peu plus clair le tilama comme ça. On va peut-être même se battre un petit peu parce que je crois que j'ai plus beaucoup de... Je sais plus ce qu'ils donnent, eux. Ouais, c'était la viande que j'ai plus beaucoup. J'ai tout utilisé dans les grottes l'autre jour. Ça fait toujours un peu mal au cœur de s'en prendre à eux, ils sont tout mimi. Mais bon, on n'a pas le choix, quand il faut de la matière première, ben, faut aller la chercher, c'est triste, mais c'est comme ça! Alors, si mes calculs sont bons et qu'on est... Je devrais pouvoir... valider chez Emily maintenant! Fabrication terminée. Fabrication terminée. Et voilà, on récupère le puits. Alors on va les mettre tout de suite en place. Et comme ça, demain, on va pouvoir profiter de l'espèce de cérémonie qui nous attend. Bon, on voit Emily qui marche là au fond d'ailleurs. Bon, je suppose que ça va enclencher une cinématique. Même pas! Oh, vous n'êtes pas gentil. Coucou Milly! C'est merveilleux, merci mille fois, mamie sera très heureuse. Et ben voilà, on a terminé le puits d'Emily. Donc encore une fois, on a récupéré plein de sous, ça c'est super chouette. Alors, je me disais bien que ça allait pas s'arrêter là. Quelques arroseurs sur les champs nous aideraient beaucoup. Alors, réserve d'eau déjà à prix. Donc il me faudra une réserve d'eau et 4 arroseurs. Et ben voilà de quoi bien s'occuper. On va pas s'y lancer tout de suite. Là on va aller vider ses poches, dormir, et regarder ce que la journée de demain nous attend. Nous réserve, pardon, je dis n'importe quoi. Alors sincèrement, si la dernière mise à jour du jeu a quand même réglé quelques problèmes, on va dire, les chargements sont quand même un peu longs. Par moments, c'est un petit peu casse-pied. Faut être honnête. Bon, ça l'est moins qu'au début, hein. Mais ne serait-ce que pour rentrer dans le jeu, j'ai compté hier, il faut 5 minutes. 5 minutes, c'est énorme. Bon, après, on oublie hein, quand on est dedans, c'est clair. Je veux dire, c'est pas pour autant que le jeu, j'ai pas envie d'y jouer. Mais c'est quand même un petit peu embêtant. C'est toujours le problème, c'est de ranger, de trouver dans quelle boîte on a mis quoi. Puis vous pouvez être sûr qu'à chaque fois je loupe quelque chose. Hein. Je suis sûre que le fer bois, j'ai déjà dû passer dessus et je l'ai parmi. Où il est? Ah, et voilà. La viande, a priori, j'en avais plus. Et il me reste ça à ranger. Voilà, donc là, on peut aller dormir. On a validé la première étape du puits d'Emily. Et on verra du coup ce que nous réserve la guilde le lendemain matin. Jour 1, moins 1, année 2. Alors du coup, je ne sais pas est-ce que c'est que le classement annuel ou est-ce qu'il y a un classement mensuel également. Ah, on a un courrier. Est-ce que ça serait le courrier mensuel, le classement mensuel? Est-ce que ça vient de la guilde? Classement des ateliers. On va le faire en dernier. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il nous veut, Presley? D'accord.
le centre de recherche. Merci pour ta contribution de recherche cette année. Le nombre d'additions d'années nous a clairement à l'avancée. Nous sommes convaincus. Ok, merci. Bon, allez, on se l'ouvre. Félicitations pour avoir obtenu... Oh, félicitations. Nous te félicitons d'avoir obtenu la première place dans le classement des ateliers du mois dernier. Ton atelier est un véritable modèle et nous inspire tous. Vous voyez, on a tous ici nos objectifs de cette vidéo. Je suis super contente et du coup, ça va me récupérer 10 000 pièces. Et ça, c'est juste fantastique. Et eux, ils nous veulent quoi? Ah, c'est pour le travail qu'on a fait sur les comparaisons. On récupère des pinceaux à huile et des pierres de pouvoir. Mais ça, c'est une super matinée comme on les aime. Et regardez, c'est tout vert, c'est le printemps. C'est revenu, c'est super. Ah, mon chant. Alors, par contre, je sais plus où on était censé aller et où il devait y avoir une cérémonie. Est-ce que je vois quelque chose? Non, faut que je retourne, je crois, dans mon courrier. Ouais, parce que là, il n'y a rien. On va retourner voir le courrier pour voir à quelle heure et où il fallait aller pour la cérémonie de l'année. Ça doit être celui-là. T'es invité à notre concours annuel de la Guilde du Commerce qui se tiendra demain dans le bâtiment de la Guilde. Ok. Donc on va encore faire ça. Et puis après on va s'arrêter parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. On a fait plein de choses. Tous les objectifs de la vidéo ont été atteints. Comme j'ai déjà dit, je crois que vous me portez vraiment chance. Je suis tellement heureux que tout le monde puisse venir que j'ai pas eu le temps de lire. Alors je vais vous laisser lire parce que je crois que je lis pas assez vite. Regardez cette belle... Oh, on est premier sur l'année, non. Moi, je crois que petite Higgins à gauche a pas l'air très joyeuse. Vous savez quoi, je fais une capture. C'est trop beau. Et on récupère quoi? 30 000! Oh, c'est génial! Tu as de la chance cette année, mais tu n'en auras pas autant. Je vous ai dit qu'Higgins, il n'était pas content. Mais je m'en fous, monsieur, j'aime mieux travailler que toi. Allez, c'est pas tout, hein. Si on veut garder notre première place, il va falloir se remettre au boulot. Alors, on va l'accepter une petite mission avant de se dire au revoir. Trois étoffes étanches, je ne sais pas si je peux faire. Le poil en fer. On va peut-être pas faire une rancée quand même. Celle-là, elle ramène pas grand-chose. Allez, on va faire les poils en fer. Réfléchis bien, Higgins. Il faudrait pas que tu perdes à nouveau. Alors voilà, je vais rentrer tout doucement vers ma maison. Je vais vous laisser en même temps. Donc bah, pour moi, c'est réussite totale, puisque le but de cette vidéo était de faire la première partie de la mission Le Puits d'Émilie qui était déjà engagée. De terminer la commande de la guilde, ce qui est chose faite, et d'espérer finir première du mois. Et en plus d'avoir fini première du mois, j'ai eu la récompense de l'année. Donc bah, je pense qu'on ne peut rien demander de mieux. Je suis super contente. Alors n'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires, à me dire où vous en êtes dans votre jeu, comment ça se passe. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien.